6 youtubeurs me contrôlent pendant 24 heures. Ils avaient une seule règle. Ils devaient me dire en un seul mot ce que tous les Français faisaient au moins une fois dans la journée. Si vous voulez un autre épisode, explosez-moi la barre des likes et proposez des youtubeurs en commentaire. On se retrouve demain matin et on est parti avec la première youtubeuse. Aussi, dis un mot que tous les Français font au moins une fois dans la journée. Tu es quelqu'un aujourd'hui. Comment ça, mon ref? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non. Je voulais dire se brosser les dents, genre. Les gars, il est 11h07. Je me suis réveillé à 10h30. J'ai pas réussi à me réveiller avant. C'est bon? Là, je suis désolé si ça résonne. Je suis désolé s'il y a ce magnifique mur. C'est l'installation, elle est ghetto, ok? Elle est ghetto. Bon, allez, on se brosse les dents. C'est quoi ce qu'il a dit, donc? Ah, mais si elle t'avait dit de te jeter d'un pont. Oui. Oui, je l'aurais fait, oui. Team brosse à dents électrique, vous êtes où là? Bon, allez, on va s'amuser un petit peu. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Je suis bizarre comme ça, moi. Faut être bizarre comme ça, frère. En parlant de Kossi, énorme GG pour 5 millions d'abonnés, c'est aberrant. Vraiment, c'est un truc de dingue, frère. Je vais vous raconter la séquence parce que je me brosse juste les dents. Voilà, vous êtes là, derrière votre écran, vous êtes comme ça. Oh, mais j'ai trop à faire une reconstitution. Vous êtes comme ça. Ouais, je sais pas si je vais la laisser cette blague, elle est pas faux folle. Là, mes dents sont blanches comme du Total Wipeout. C'est pas l'émission de télé sur Gulli, ça? J'en ai aucune idée de c'est quoi le prochain youtubeur, mais on passe au prochain youtubeur. Bon, ok, maintenant les gars, on en est à Seyard qui me dit, vous allez voir en bas, se plaindre. Ok, on va faire un truc. Je vais mettre un compteur et pendant 10 secondes, je pourrais me plaindre et dire ce qui vraiment me tracasse. Ah merde, j'ai mis 10 minutes, ouais, mais là, j'ai carrément pas dire des trucs, là, la vidéo va durer. J'ai pas de blague. Ok, 3, 2, 1. J'en ai marre de la concurrence qu'il y a entre les petits youtubeurs. On peut pas juste être content l'un pour l'autre. Non, il faut qu'il y ait une sorte de jalousie cachée. C'est horrible. C'est vraiment horrible. J'en ai marre. Soyez tous soudés jusqu'aux 100 000 abonnés. Au moins, je sais pas. Moi, j'avais d'autres trucs à dire, mais on va s'arrêter là parce que sinon, je vais me faire des ennemis, quoi. Bon, après, Bon, vous savez quoi, je vais lire le prochain et puis on va y aller juste après. Le prochain, c'est la cagoule qui me dit caca, faire caca. Mais c'est un génie! Oulala, bah non, je peux vous laisser avec moi, vous êtes fous ou quoi? Oh là là. Bah ça fouette là-dedans. Bon, maintenant c'est au tour de iChoupi qui me dit, je dirais café. On va faire le café tout de suite. Bon allez, let's go. Hop là, vas-y, j'entends pour qui là? Qui c'est qui en veut? Je sais pas si on va le voir, il y a juste un chien. C'est un peu le bordel. Hein. Ah, je suis un jeune. Quand un jeune il tient une maison à lui tout seul. Ouais, j'ai pas d'excuse, je suis juste bordélique. Les gars, on va prendre quelle tasse? On va prendre une tasse de fou, ok? Les gars, on va prendre une tasse Foxy. Freddy Frasbe. C'est parti pour le café. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Ça arrive. Oh, cette musique là, c'est du miel. Y'a le Klebs là-bas. Freddy Fazbear. Il est déjà 11h21. On a déjà fait 3, 4. Là c'est le 4ème. Oh, fais-moi le bruit. On a déjà fait 4 youtubeurs sur 10. Si on termine à 15h, c'est bon, hein, j'ai fait les 10 youtubeurs. Ah, c'est chaud. Non, calmez-vous, c'est pas grave. Attends, tu rentres dans le saloon, tu vois, y'a le cowboy qui fait, non, pas la référence à Guillaume. Tu rentres dans le saloon et y'a moi avec ma tasse FNAF. Hey, salut. Tu veux boire avec moi? Tu veux boire dans ma tasse? Ah non, tu veux pas? Hey, salut. C'est le mec, en fait, il prend toutes les meufs. Je vais peut-être ajouter un petit peu de lait. Mais personne fait ça. Je suis dingo. Ouais, c'est chaud. Mais bon, est-ce que c'est pas bon? Si. Maintenant, le prochain, c'est qui? C'est Frizou. Frizou, il me dit quoi? Il me dit, mange ma baguette. Je pense qu'il a dû faire une faute de frappe. Ça fait rien, tu vois, je comprends. Donc, moi, j'ai un problème. C'est que là, on est le matin, on est dimanche, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas de boulangerie vers chez moi. Ou en tout cas, si on a une, elle est loin et j'ai pas envie, tu vois. C'est très loin. C'est pas très loin, mais j'ai pas envie d'y aller à pied. En voiture, c'est pas longtemps, mais. Oh, j'ai pas envie. Moi, je me suis dit quoi? La boulangerie, le pain, sa baguette. Sa baguette à lui qui est très. Très très bien cuite. Et ben moi je me suis dit, une baguette c'est dans une boulangerie. Et qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans une boulangerie? Des croissants. Ouais, c'est des croissants de supermarché. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est bon le défi de Frizou? Faut que j'attaque ce même. Je vais quand même le manger, regardez. Ne jouez pas avec la nourriture les enfants. Moi c'est juste pour l'entertainment, mais vous, vous avez personne à faire rire, pardon. Bon attends, j'essaie de tremper dans mon petit café là. Je vois, c'est pas du porno ça. C'est pas ça, non, c'est pas ça qu'il faut dire. Du miel. Oh, j'ai envie de danser.
I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Oh, cette vidéo elle a aucun sens, ça me tabasse le fion. Donc, vous savez quoi, on va lire le prochain maintenant, et puis comme ça on bougera après. S'il y a besoin de bouger, si je peux rester là, je reste là. The Pig Store qui me dit sortir les poubelles. Bah en soi c'est toujours pas un défi compliqué. Non, en vrai je voulais juste prendre des créateurs qui me font kiffer. Et bah ça me fait plaisir tu vois. Et voilà, si vous voulez le prochain épisode, bah dites le moi. Ouais, il y a deux croissants, du coup je prends un autre avec le café. On va passer en mode vlog, je vais changer la caméra. Comme ça on ira sortir les poubelles. On va faire un super vlog les petits loups. J'ai oublié quelle heure, je voulais faire une vanne. Et quelle heure? Ok, il est 11h34. 11h34. Putain, 11h34. Je m'apprête à faire un défi énorme. L'un des plus gros défis de ma vie. Sortir les poubelles. Bon allez, on va enfiler les toutes petites claquettes Jack et Jones qui sont bien sales à cause de la boue. C'est incroyable, c'est quand même exceptionnel hein, ce qui se passe. Je suis payé à faire ça les mecs, je suis payé à faire ça. Il y a plus de place ici. On va pas enfoncer. De toute façon c'est pas moi qui vais la descendre, c'est Ethan, mon meilleur ami. Quel défi compliqué quoi. Pourquoi je parle comme ça quoi. Bah ouais, franchement je trouvais ça dur, mais on passe au prochain. Ok maintenant les gars, Squidoo qui me dit manger. Et il est actuellement 14h32, ok. J'ai fait une sieste. Eh bah ça m'a bien requinqué cette histoire. Tu me laisses une place toi ou pas? Pourquoi t'es mystérieuse comme ça toi aussi? Bah manger, on m'a dit de manger, donc je peux manger ce que je veux, donc... Croissant! J'ai pas faim aujourd'hui. J'ai rien fait d'autre, hein, à part faire une sieste, sinon j'ai juste fait un petit peu de rangement, c'est tout. Ouais, ça se voit pas, j'ai mis tous les coussins là. En même temps, c'est des coussins, je vais pas les foutre par terre. Bon allez, un petit peu, hein. Fais pas ta gourmande, hein. Quel dingo ce chien. Vous allez m'insulter, je vais mettre une sauce dans le croissant, c'est bon? On va partir sur une petite sauce burger, sur son lit de balsamique. Ouais, vous allez m'insulter, mais bon. J'avoue, c'est dégueulasse de faire ça. Essayez d'adopter ça. Le vrai prime, c'est avec la sauce barbecue. Ah oui, je vous rassure, hein. Je fais des vrais repas. Là, c'est juste là, j'ai la flemme, même j'ai pas hyper faim. On passe au prochain, les frères. Ok, maintenant, JCGN qui me dit sport. Salut, c'est Michel, j'espère que vous avez bien fait ce match, et c'est un plaisir de vous entraîner aujourd'hui. Allez, Thibaut! Vous êtes prêts, c'est pas? Allez, go! Moi aussi. Non, pas moi. Et revenir, hop, serré. Hoppa. En fait, c'est une vidéo en fit avec mon youtubeur, il y a Thibaut. Encore. Ah, c'est très bien. Ouais, très bien, très bien. Très bien. Ok. Hop, levez la jambe de devant, droite. Allez, c'est parti. Ça c'est du sport d'athlète mon copain. On travaille les abdos comme ça. Oh ça j'aime bien, je me craque le dos comme ça. J'ai une putain de toupie. Sinon wow. Ça il fait pas ça Thibaut. Ça ça apprend les triceps. Et l'autre côté. C'est pas une course Thibaut hein, mais je fais plus vite. C'est pas une course hein. C'est pas une compète. Merci Thibaut. Bon allez maintenant, juste un buisson qui me dit courir. Dégoûté, il a écrit en dessous. Ok les gars, c'est le moment de courir. J'ai aucune dégaine et il y a beaucoup de gens pas loin. J'ai peur que des gens me voient. C'est un petit peu la honte. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Comme un con, j'ai oublié mes clés dans ma poche. Je vais les prendre avec les mains parce que sinon je vais les jeter par terre et tout va mourir. Et tout va mourir. Oh, mes clés. La GoPro elle a même plus assez de cartes. Ça, c'est vraiment une idée de merde hein, qui m'a fait faire. Limite, on se retrouve quand on est au mobilhome. Ça, c'est vraiment nul. Attends, je vais courir 2 minutes comme ça, le défi il est bon. Quel défi facile les frères. Les gars, juste avant de passer au dernier youtubeur, je tenais à tous les remercier d'avoir participé à cette vidéo. J'ai voulu prendre surtout des gens que j'appréciais le contenu et que vraiment c'était inspirant. Et aussi, parce que j'ai contacté beaucoup plus de youtubeurs, si les autres youtubeurs n'ont pas été choisis, je parle à vous, les youtubeurs en question, c'est tout simplement parce que vos mots étaient déjà choisis et je préférais prendre les premiers. Genre ceux qui l'ont dit en premier, tu vois. Après, il y en a d'autres aussi, ils ont mis des mots, c'était galère à rentrer dans cette vidéo, frère. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez un épisode 2, vous savez quoi, on va faire un défi, c'est-à-dire 250 likes. Je fais pas trop de défis de like, mais là je me suis dit vas-y, c'est un concept cool, et puis si je vois que vous kiffez, je serais trop chaud recontacter d'autres gens ou même remettre des personnes si vous voulez revoir des gens. Dites-moi tout ça en commentaire les gars, et on passe au tout dernier youtubeur, ouais c'est ça. Ok les frères, pour le dernier youtubeur de cette vidéo, Ibrams qui me dit chanter. À partir du moment où je vais commencer à chanter, alors ça va annoncer l'outro. Enfin, quand je vais arrêter de chanter, vous verrez. Aïe aïe aïe.
Bah, je voulais me servir un petit freeway avant d'exaucer le chant. Bon, j'ai plus soif. Et étant donné que je suis un très grand fan d'opéra, alors... Et bah...